J'aimerais que vous ayez le son du jeu aussi. Bon, on verra bien. Normalement, je vérifie. Propriété. Ouais, c'est bon, vous devriez l'avoir. Juste, je voulais faire un truc. C'était quoi? Oui, essayez de capturer. Je voudrais vous montrer quelque chose si j'y arrive. Capture de jeu. Ok. Fenêtre spécifique. Fenêtre. Que ça va le faire. Non, ça le fait pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je peux pas vous montrer le menu, c'est pas grave. Allez, je me lance. Hop. Jeu charge, je vérifie que vous avez le son. Je vais peut-être le monter un peu. On est parti. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce jeu, souvenez-vous, moi j'ai cru qu'on l'avait fini. Et c'était absolument pas le cas. On se retrouve à nouveau après un passage, j'allais dire en ville, je sais pas comment le dire autrement, après un passage en ville, peut-être en Angleterre, je sais pas trop, on se retrouve à nouveau dans la glace avec apparemment comme objectif de détruire le mal qui s'y trouve. Alors je vérifie une dernière fois que tout est bon pour vous, que vous avez bien le jeu qui est capturé, que vous avez le son de ma voix et le son du jeu. Son du jeu, oui. Image du jeu, oui. Ma voix, oui. On est bon, on y va. On retourne dans cette incroyable aventure. Je suis prêt. Oh! Oh, regardez! Alors oui, on a des manchots empereurs là-bas. Oh, on a envie d'aller les voir. Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. Ce qui est génial, alors par contre c'est génial, c'est très chouette, c'est qu'il n'y a pas de mur invisible. C'est-à-dire que franchement, tu y vas, tu tournoies. Bon, j'arrête de déconner, on y va. Avançons. Oh, il y en a des petits là. J'arrête avec les manchots. Munitions. 6 balles. C'est incroyable. Hein, alors, est-ce que vous avez de la neige, vous? Du côté de Bordeaux, il n'y en a pas. Il fait froid, mais pas de neige. Qu'est-ce que c'est? Attends. Il y avait l'ombre d'un monstre, mais je ne comprends pas comment elle a pu être projetée, je ne l'ai pas vue. Il devait être en haut de cette... cet iceberg. Alors on va rester très vigilant. Cartouche supplémentaire, j'en suis où? 8. Regardez, ça circule. Oh, on voit des ombres projetées qui circulent très très vite. À mon sens, on va être attaqué dans pas longtemps. Alors c'est moi ou il est très différent des autres? J'ai l'impression que ce qu'on a vu, les testiboulettes qu'on a vu précédemment, avaient, je sais pas comment dire, étaient plutôt feu, avaient du orange. Ceux-là sont blancs. Est-ce qu'on va devoir faire face à des testiboules de neige? Je ne sais pas. Alors, je risque de dire beaucoup de conneries. Hein. Je rappelle que je prends des médicaments qui me défoncent un peu. Donc je suis un peu sur deux. Oh!
Attention, il va sauter. Yah ! C'est bon. Putain, alors la VR en plus, avec les médocs, je vous jure, c'est chaud. C'est de... C'est du gros délire. Je crois que je fais une grosse connerie. Si je vomis, c'est normal. Hein. Poussez-vous, les amis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement, là? Ah non! Alors, je crois qu'il va falloir que je saute. Faut quand même pas que je saute pour récupérer les stalactites qui sont là. Attendez. Si, il faut que j'essaye de sauter. Alors attendez. Il me faut un caillou. Je le jette là. Ils vont tous se rassembler. Recharge! Ça s'est pas trop mal passé. J'espère que je n'ai tué aucun pingouin. Ah oui, ils sont tranquilles. C'est incroyable quand même d'avoir tous ces monstres et tous ces manchots. Bon. Il faut que je réussisse à passer. Ça c'est bon. Simon Edwards, si vous m'entendez, répondez, s'il vous plaît. Ava ? Elle est morte ou elle n'est pas morte ? Victor, je te croyais mort. Où es-tu ? À près d'un kilomètre dans les terres, au niveau de Scott's Bay. Ah, il sait où il est. Bravo. Tu avais raison. Il faut le gars, il sait où il est. Tous ressemblent. Il n'a pas de boussole, mais il sait où il est. J'ai mon avion qui est là, mais le moteur refuse de démarrer. C'est que je... Rien ne va plus. Comment est-ce que je peux savoir que tu es bien réel? Tu ne le peux pas. Tout comme je ne sais pas si tu es réel. Mais nous allons devoir nous faire mutuellement confiance. Ça va être compliqué. J'imagine. À tout de suite. Alors voilà le topo. Le héros, j'espère, et Eva ne savent pas si eux-mêmes sont réels, l'un l'autre. Et moi, je suis sous médoc. Donc, ça va donner. J'adore les voir plonger dans l'eau. Wouh! Louf! Allez. Allez, tout le monde plonge! Oula, oula, oula! J'ai un petit freeze. Pas très agréable. Ok. C'est reparti. Alors la nuit vient de tomber d'un coup. Je vérifie juste que vous êtes bien là et que tout se passe bien pour vous au niveau du son et de l'image. J'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Je n'ai aucun... Oui, tout est nickel. Ok, merci. On continue. Attendez, me dites pas que j'ai les cailloux infinis. Ce serait... Ah non, passe à x4. Transporter les pierres. On passe à x4. Oh. Ça va être chaud. Thank you.
chaud. Je passe comme un sagouin, je sais pas comment, je m'en suis sorti, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Oh, c'est horrible. Ah, plus de cailloux. J'ai plus de cailloux. Oh putain. J'ai cru que je pouvais le faire comme ça, mais non, c'est trop chaud. Est-ce que j'ai récupéré mes 4 cailloux? Il y en a un là. Pierre. J'ai juste manqué de cailloux. Sinon, c'est très jouable. Hein. Oh les gars! Waouh! Mais quel con! Ah, ça fait flipper! C'est horrible! Ah, faut que j'y arrive. Ça va être chaud. Hein. Je sens que ça va être les 20 minutes de fin de jeu les plus longues de ma vie. Et en passant par là. Là, il y a du caillou. Il veut pas bouger lui. Je suis passé. Oh putain. Merci beaucoup. Oh, c'est pas fini. Alors des cailloux. En fait, faut savoir que. C'est amusant de ramasser des cailloux comme ça, parce que le manchot ramasse, ben vous le savez, lui-même des cailloux pour construire son nid. Je trouve ça marrant. Cartouche. Je vais faire le grand tour. Quel con! Je vais jeter sur la gueule. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Faut que je passe. Je suis passé, je crois. Oh non, il y en a encore devant. Attention. Ah, j'ai vu tomber celui-là. Alors j'ai vu une espèce de grand gaillard emmener un cadavre. Je sais pas où il est passé, il est là-bas. Oh putain, il va me falloir beaucoup de cailloux là. Comment je passe? Quel con. Et si je butais tout le monde? Il m'a l'air un peu tendu celui là-bas là, avec ses tentacules qui sortent du visage. Est-ce que je tenterais pas de les buter? Je
Je crois que j'ai pas le choix. Recharge! Yes! Allez, je vous emmène avec moi, les gars. C'est horrible. Le bruit est juste génial. Ah bah, on nous donne des cartouches. Oh, qu'est-ce que c'est glauque, ça! On nous donne des cartouches, c'est bien le signe qu'il fallait... Oh, les pauvres. Qu'il fallait peut-être les utiliser. Je vérifie le plafond. J'entends un... Ah. Est-ce qu'il est tout seul? Pas vraiment. Non, mais là, c'est trop chaud, quoi. Ils sont en plein repas en même temps. Je vais essayer d'aller derrière ce caillou. Dès qu'il a le dos tourné. Tranquille, 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 tranquille. Tout va bien. C'est horrible. Je vous jure, c'est chaud. C'est... Ah, regardez ce qu'il fait. En fait, ça a une espèce de tête de... Tête de crevette. J'y vais. Oh là 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 là, j'y suis arrivé. On continue. Des munitions. Seigneur, tous ces cadavres. Ouais. Ils pouvaient pas faire tous partie de l'équipe d'Edwards. Je suis d'accord. Ramassage de cailloux. Comité d'accueil, on y va. Là, il y a quand même du monde. Je passe par là. Je tente... Tombe pas, c'est pas le moment. Tout va bien, on est passé. Oh la vache. Ah, oh, puis c'est pas fini, quoi. C'est horrible. La violence du niveau. La violence du niveau. Pff, je sais pas, droite, gauche, je sais pas. Là je suis... Il y a trop de monstres. J'ai failli rentrer dans son périmètre de captation. Allez tous voir là-bas, c'est très bien. Ça c'est con. Ça c'est con.
se rétracte, on court, c'est bien passé. Oh, je suis passé. Fonce, 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 pourvu que ça s'arrête. Oh. J'ai réussi. Ah, j'allais dire, ça ne s'ouvre pas. C'est bon, je peux avancer. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Victor, par ici. J'arrive. Oh mon Dieu, c'est bien toi. Je le savais. Désolé, mais nous fêterons nos retrouvailles plus tard. Il faut faire vite. Oui, surtout que là, il y a quand même un ravin entre vous. C'est le seul moyen de s'en sortir. Aide-moi à placer des charges explosives aux artères menant à la salle de l'être suprême. Ok, volontiers. La radio nous permettra de les déclencher à distance. Compris. Okay. Je dois achever les ultimes préparatifs. Vas-y, achève les ultimes préparatifs. Tiens-moi au courant, d'accord? Ava, attends! Oui, ça marche. Moi, j'aimerais sauter, là. Voilà. Ce que je veux, c'est des munitions et des cailloux. Ah, des explosifs déclenchables à distance. Elle a pensé à tout. Elle a dû les prendre à Edwards et les mettre de côté. Elle est trop forte. Oh là 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 là, c'est chaud ça. Descends. Alors là, il va falloir être très rapide. Je vais un peu souffrir. Bon, je suis passé. C'est une horreur. C'est une horreur. Tire au max. Bon, je fais de mon mieux, hein. J'improvise complètement, évidemment. Ah, ça l'a pas eu. Alors, s'il pouvait avancer. Avance, 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 avance. Encore, encore. Merci. Nickel. Alors, je suis un petit peu blessé, mais ça devrait aller. C'est chaud quand même. Je peux passer là. Je fais le tour. Yes. Que j'ai laissé des cailloux derrière moi, je vais les récupérer. J'essaie d'optimiser un petit peu l'équipement. On est passé. Le pire reste à venir, je crois.
Merci beaucoup. Alors, je lirai vos messages tout à l'heure. Je ferai une pause ultérieurement. Je sais pas comment faire là. Je l'ai éclaté. Hein. Il me reste encore 4 balles. Ils sont horribles. Je vis un grand moment de solitude quand même. Je sais que vous êtes là, hein, mais. C'est chaud. Ah là, c'est abusé. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux me laisser pendre le long jusque là-bas, je pense. Je vais essayer de le faire. Il est horrible! Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Des cailloux. Là, il m'aurait fallu quelques oursins, ça aurait été pas mal, mais il n'y en a pas. C'est complètement dingue ce que je suis en train de faire. Hein. Faut pas qu'il vienne, faut pas qu'il vienne. Ah, il y a un oursin là, j'avais pas vu. On va tous les attirer là. Je foire. Je foire complet. Un de moins. Allez, j'y vais. J'ai plus de cailloux. Je suis dans la merde. Qu'est-ce que je fais? Il est déçu. Il est avec ses quatre petits bras. Il fait oh, dommage. Moi, ouais, j'y vais. J'ai peut-être fait une connerie. Je ne sais pas. On va essayer de sauter. Non, faut continuer. Je suis passé. Ça a l'air plus calme ici. C'est une impression, je sens que c'est une impression. Non, non, c'est plus calme. Alors, faut que je grimpe. Ok. Il va falloir que je saute de l'autre côté. Ça va être chaud. On peut pas aller plus à droite, quand même. Je sais pas si c'est jouable, hein. Mais j'ai pas le choix. C'est bon. Saloperie. Allez. Victor, tu es là? Ouais. Toujours là, oui. Je vais poser les charges. Mais où? Fais vite. Là. Contre ce poteau. Oh, j'espère que ça va pas pondre ces trucs-là.
On dirait des... Il y a... Oh, je l'avais pas vu. Inspecter. Voilà. Seigneur, Daniels a réussi à descendre jusque-là. Pas étonnant qu'on ait perdu le contact avec lui. C'était le pilote. Ah, c'était le pilote. Oh mon Dieu. Attends, ça bouge en bas. Ah mais non. Je crois que je vois une des artères. Non, moi je vois une ouverture de couleur rouge à sa base. C'est un port d'injection. Les créatures s'en servent pour nourrir l'être suprême de fluide. Place une charge à ce niveau, mais fais très attention. Tu vas faire du bruit en l'armant. Évidemment. Bon, je m'excuse, hein, mais ce qu'on a sous les yeux est quand même particulièrement bizarre. On dirait un anus. Allez, on lui met une petite charge dans l'anus. C'est parti. Et d'une. Ah oui, attends, parce que ça réveille les saloperies. Et ça, c'est pas cool. Caillou. J'ai fait beaucoup de bruit là, je sais, mais je suis passé. Ah, j'ai l'impression d'être à l'intérieur des organes. Regardez, on dirait un énorme cœur palpitant. Ah, j'ai hâte d'en finir là. Oh putain. Alors là, il y a de la vie et un caillou. Pouvait se rapprocher de la testibule, c'est parfait. Je me méfie des... Approche-toi. Nickel. Oh la vache. C'est chaud, il y a des cartouches, mais... Il y a des cartouches juste là. Ouais, je vais m'occuper de lui, là. Oh, mais il est vivant ! Oh, merde ! Oh, j'ai cru que c'était un cadavre ! Oh, je me suis fait avoir comme une merde. C'est pas grave. On va refaire la même. En mieux. Je vais essayer de mieux gérer. Poser ma charge tout de suite. Hop.
Oui, d'accord, il y en a deux qui dorment encore. Ah, mais ça va faire du bruit, ça! Ça, c'est pas cool. Une autre. J'ai plus de cailloux, ça, ça craint. Je suis passé, je crois. Oh mon dieu, ça va être interminable! C'est fou, ce que j'ai sous les yeux est complètement ahurissant. J'essaie de repérer tout de suite les testiboules, parce que franchement, enfin au final, ce sont mes amis. Grâce à elle, j'arrive à avancer. Je veux dire, je sais pas comment je ferai sans elle. Doucement, 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 doucement. Oh là 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 là. Je fais le tour. Yes! Les trois d'un coup! Oh merde, il en reste un! J'ai cru que j'avais fait les trois d'un coup, ça aurait été génial. Pourvu que j'ai réveillé personne. Non, c'est bon. J'entends crapahuter derrière moi. Ouais, ça a l'air d'être bon. Récupérer le caillou. Je vais mettre ma charge. J'entends des bruits. Hein. Je m'écarte. Voilà qui devrait faire l'affaire. Hop, 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 hop. J'en profite pour me faufiler. Et là, je vais par où ? Par là. Charge placée. Je descends. Yes ! Je suis sûr que ça le tuera. Les charges sont placées. Oui. Ça, c'est un fait. Un livre d'Edwards évoquait un réseau d'artères nourrissant l'être suprême. J'ai réalisé quelques tests et on dirait que le fluide qu'elle véhicule est inflammable. Waouh, c'est impressionnant quand même, graphiquement. Le jeu est quand même superbe. 21 décembre 1932. La vérité cachée de cette cité commence à remonter à la surface. Le Necronomicon nous explique que ces créatures étaient des esclaves dénués de raison de l'être suprême. Mais ils ont clairement muté. Ils ont désormais des traits de caractère presque humains, tels qu'un désir de se propager plutôt que de servir. À cause de cela, ils ont fini par empoisonner peu à peu leur maître. Ceci n'est pas une cité. C'est un tombeau. Oh. D'accord. Débarrassons-nous de cette saleté. Pourquoi il avance ?
J'ai pas le... Ok. On descend très profond là quand même, hein. Petite pause avant de continuer, je viens vers vous, parce que là c'est chaud. Waouh. J'espère que vous ça va, hein. Donc pour ceux qui auraient pris le live en cours de route, je rappelle que je suis sous traitement suite à une crise de colique néphrétique, le calcul est toujours là. Et donc je suis un petit peu déchiré par les médocs, mais je m'en sors, je m'accroche, j'avance. Il est possible que je raconte un peu des conneries, que j'ai pas une forme formidable, mais j'avance quand même. J'espère que vous allez bien. Je voulais lire les messages qu'on m'a envoyé. Il y a Dark Wolf qui s'est réabonné pour le quatrième mois. Merci énormément Dark Wolf. Message de Kakioin, suceur de cerises. Pourquoi pas, chacun son truc. Abonnement de 3 mois, merci énormément. Toujours un plaisir d'être abonné à ta chaîne, Gus. Juste Utsukuchi. Utsukuchi ? Qu'est-ce que c'est Utsukuchi ? Est-ce que c'est une référence à quelque chose que j'aurais dit ? Je ne vois pas. Enfin bon. On a Shizugemu qui dit GG Gus, vivement que tu croises Cthulhu. Et bon, on va voir si on le croise. Je ne sais pas si ça va être le cas. Je vais boire un peu d'eau. Je crois que j'ai pas trop mal géré sur cette partie-là. Tu joues mieux que les médocs. Faut pas dire ça, c'est pas gentil. Non, mais je commence à maîtriser le jeu. En tout cas, on se tape des barres avec ce que tu racontes. Ouais, bah tant mieux, je me rends pas compte. Hein. Bon, j'y retourne. Hein. À tout à l'heure. Reprendre. Donc c'est marrant, l'ambiance est beaucoup plus rouge. Ah, elle s'est pas ouverte. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre? Si on peut avoir une session de jeu un peu moins infiltration, ce serait pas mal. Musique flippante, je me méfie. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je m'attends à devoir me battre contre un énorme truc. Oh, elle m'a fait peur. Oh, elle m'a fait flipper. J'ai remarqué. Je suis en haut, Victor. Bon, et maintenant, je rajuste mon casque. Sers-toi de ta radio pour faire exploser les charges. Allez, là-haut. J'arrive. Sers-toi de ta radio. Comment ça, sers-toi de ta radio pour faire exploser les charges? Détonner. Détonnons. Ok, vas-y. Ah merde, ça va être pour moi. Il va falloir filer en vitesse. Bonne chance. Je t'attends. Ça va évidemment être pour ma gueule. Allez, c'est parti. Allez, go, 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 tu peux le faire. Alors, j'en ai pas fini. Je m'attendais pas au deuxième. C'est passé. Ah merde. Je fais quoi là? Je tire, hein, tout simplement. Ah merde, il y avait ça. C'est pas grave.
Moi, je vais me le prendre. C'est pour ma gueule. Ah, mais non. Mais quel con. Enfin, on va faire ça. On va le refaire mieux. C'est bon. Ça c'est fait. Je suis passé. Ah, il faut que j'aille là-dessus. Ok. Cartouche. Bon, je crois que j'ai pas le choix. J'ai réussi à atteindre le centre. Je crois que l'être suprême est en dessous de moi. Là va. Il. Ne regarde surtout pas et fais très attention de placer la Moi, justement, je regarde. Mais je veux voir l'être suprême. Oula, 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 oula. C'est bon. J'ai trouvé son ami. Il est là. Je vais lui mettre une petite charge. Je pose la charge. Ah mince, c'est vrai. Ça me démange au-dessus de l'œil. C'est bon. Ah, il l'a avalé. Ok, d'accord. Merci. Est-ce que je peux emprunter cette liane? Super. Détonation dans 3 secondes. 2, 1. Wow. Oh, c'est énorme. C'est magnifique. C'est sublime. C'est horriblement beau. Ah, oh, c'était génial. On a réussi, Ava. Il est mort. Ava ? À la surface. Elle parle plus. Tu as réussi à démarrer l'avion ? Ava ? Réponds, Ava. Est-ce que tu m'entends ? Va. Ava ! Où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Ma mémoire me joue des tours. Ça n'a aucun sens. Tu ne contrôles plus. Ava est dans l'avion. Allez, cours. Je dois juste rejoindre l'avion. Je sais pas ce qui va se passer, mais je le sens très, très, très mal. Oh! Je peux encore y arriver. Je sais pas. Oh! On l'a tué. On l'a libéré. Mais oui, mais totalement! Ah! Je fais quoi? Oh, il a d'énormes tentacules! L'avion! L'avion se barre! Plante! Oh! Allez, 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 allez! Non! Je me suis fait becter! Putain! On recommence. Je peux encore y arriver. On l'a tué. On l'a libéré. Ah. C'est là. Cours. Faut pas que je me rate. C'était juste. C'est bon. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ah bah, j'y suis prêt. Ah, il va m'avoir. C'est bon. Par là. Oh la vache.
Mais il y a combien de tentacules cette merde? Je vais où là? Je fais comment? L'aile. Yes. Allez. Tu vas bien? Oh merde, je suis dans l'avion. Je vais bien. Nous avons réussi, Victor. Oh, t'es trop mignonne. Allons-y. T'es mal en point. Ça va. Reste avec moi. Où est-ce que tu es blessé? Ça n'a pas d'importance. Je ne comprends pas, Victor. Nous avons réussi. Faut redresser quand même, là. Oh, regardez, il est là! L'être suprême! Non, non. Oh! Il est horriblement beau! Il est gigantesque! Oh, merde! Merde! C'est horrible! Ah! 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 Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh! C'était atroce! Ah mon Dieu! Ce jeu! C'était génial! C'était génial! Bravo! Bravo! Quel jeu! Oh! C'est un des meilleurs jeux VR que j'ai fait. Ensuite, il aurait pas été en VR, j'en aurais... Voilà, j'aurais pas le même jugement. Mais pour un jeu VR, c'est juste formidable, génial, extraordinaire, magnifique, réalisation sublime, jouabilité vraiment bonne, des niveaux bien foutus, quoi, enfin... Le jeu était génial. Histoire, bon, voilà, elle est assez basique, mais elle te tient, quoi. Elle tient le gameplay, c'est génial. J'ai adoré. Super. Et t'es arrivé au bout. Ah, ça fait plaisir. Et en 3 lives, c'est pas souvent. Bon, c'est pas un jeu très long, évidemment. Combien d'heures de jeu? Je pense que j'ai fait un live de 2h30, 1h30, et là peut-être une demi-heure, donc ça fait 2h. 4h30, 5h de jeu. Alors je laisse la fin se dérouler, je reviens vers vous tout de suite après. J'espère que vous avez apprécié. C'était une petite parenthèse VR très sympathique. Bon, je vais laisser la fin se dérouler. Juste, je me demande s'il va pas y avoir un petit quelque chose en plus. Un dernier soubresaut scénaristique. Bon, mais je crois que c'est vraiment la fin. C'est un petit peu long. Donc tant pis, je vais enlever le casque. Waouh. Super jeu. Alors attendez. Je vais déjà lire les messages que je vais remettre mes lunettes. Oui, oui, je crois vraiment qu'on est sur un jeu très inspiré de Lovecraft et de l'œuvre Cthulhu.
Merci Robinou21 pour cet abonnement de cinquième mois d'abonnement. Super jeu, c'est quoi le prochain? Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Ce sera une surprise. On va peut-être pas rester sur de la VR et partir sur autre chose. Il y aura bien un jeu de longue haleine, bien effrayant là. Je pense qu'on a repris. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on a fini sur un jeu tellement violent, tellement dur, qu'il fallait repartir sur quelque chose d'un peu plus simple. Attendez, je vais me remettre en plein écran. Voilà. Je garde ça pour pouvoir vous parler, hein, le micro étant dans le casque. C'est quoi le prochain? Je sais pas encore. Merci beaucoup Giovanna pour cet abonnement aussi. Merci Kakion. Ah, j'ai lu ton message à Kakion Suceur de Cerise. Visage dans Early Access, il n'y a que le premier épisode. Ah d'accord. Gus, as-tu joué à Amnesia? Super jeu d'horreur. Oui, il y a très longtemps. Déjà fait. Duke Nukem 3D, j'ai déjà joué aussi, il y a très longtemps. Mais je vais trouver un bon jeu, bien violent, bien flippant, bien dur, qui nous tient en haleine sur plusieurs lives. Il parle de Layers of Fear 2, mais pas encore de date de sortie. Oui, j'ai vu ça, on en a parlé. Un jeu comme Conjuring, c'est top, oui. À voir ce que je vais trouver. Voilà, sur ce, écoutez, merci d'être venu passer la soirée avec moi. Sur ce petit live un peu court, quoique, 1h15 déjà. Resident Evil 2 Remake sort le 25. Mais écoutez, pourquoi pas, en sachant que je pense pas l'avoir fait, le Resident Evil 2. Et il faudrait que j'y fasse. Alors, est-ce qu'il va être sur PC? Ou est-ce que c'est seulement console? Est-ce que vous savez? Il est sur PC aussi? Eh ben écoutez, pourquoi pas. Resident Evil 2 sur PC, ça peut être très bien. Bah, dites-vous que ça risque d'être le prochain jeu. Merci Micha. L'eau, beaucoup d'eau. Oui, je bois mes 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est la petite bouteille. Mais je bois mes 2 litres d'eau et je bois même un peu de Vichy Célestin censé dissoudre les cristaux. Donc les calculs, voilà. Je m'occupe de moi, vous inquiétez pas, je suis bien entouré, j'ai vu mon médecin lundi matin, hier matin, on a fait le point sur tout ça. Donc oui, je suis un petit peu souffrant, je sors d'une colique, d'une crise de colique néphrétique et j'ai un calcul toujours là. Donc j'ai des médicaments à prendre et c'est pas évident. Sur ce, je vais vous laisser, je suis déchiré de fatigue et de médoc. On se retrouve bah, peut-être jeudi, je vous tiendrai au courant, si ça va, pourquoi pas, jeudi, on sera à le combien? On sera que le 24. Ah, c'est dommage. Alors, à moins que je l'ai la veille, le jeu. Je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, je vous tiens au courant pour jeudi soir. Sinon, on se retrouvera mardi prochain sur Resident Evil 2. À la limite, peut-être un petit jeu VR quand même. Ou un petit jeu comme ça pour passer le temps. Jeudi soir, si je fais un live. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Et... Chapmic qui dit ça te dérange pas, j'ai un ami qui voudrait que tu le débloques sur Facebook, ça a été des histoires avec qui avec tu sais qui, et depuis il s'est rendu compte de qui il est vraiment. Ah, tu parles de... Il a guzdx.videoadgmail.com avec son pseudonyme. Bender5955, merci beaucoup, c'est du Lovecraft, université miscatonique et la ville de Providence, adaptation libre des montagnes hallucinées. Alors, je connais pas bien l'œuvre, hein. J'en ai lu il y a très longtemps et merci beaucoup. Effectivement, on était en plein univers de Lovecraft. En tout cas, merci beaucoup. Je vais aller me reposer. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Très très bonne journée demain et les autres. Je raconte n'importe quoi. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci pour votre soutien, vos abonnements, vos messages. Votre présence, vos dons, vos bonnes ondes, j'en avais bien besoin et ça m'a fait du bien d'être avec vous ce soir et de passer cette soirée en votre compagnie. Je vous embrasse tous très 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 fort, très très bonne nuit à vous. Merci Demounette, merci Nitrak qui a été là aussi ce soir. Merci à tous, Bender, Robinou et tout ça. À très très bientôt et portez-vous bien. Ciao.